Comme vous le savez peut-être déjà, je suis extrêmement fan des Pokémon et Pokémon première génération évidemment parce que c'est celle que j'ai le plus jouée, le plus connue, etc. Mais autre chose que j'adore faire et pour laquelle je suis extrêmement douée, c'est le dessin. C'est faux. Non, j'adorais dessiner quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que, bon, à mon actif cette année, j'ai fait 8 jours sur Inktober. Voilà. La constance, que voulez-vous, le travail, waouh! Bref, j'avais quand même envie de tester un espèce de générateur de Pokémon. Enfin bref, en gros, j'ai juste choisi la première génération et ça va me donner des Pokémon random à dessiner de mémoire. Donc évidemment, j'ai mis un petit papier sur ma tablette là où le Pokémon apparaît. Je n'aurai que le nom. Premier Pokémon, ce sera Kangourex. Non, ça pouvait pas être un facile. Je pense que j'ai pas vu de Kangourex depuis un moment. Je vérifie que vous voyez bien. Alors, Kangourex, on est sur une base de kangourou, hein, jusque-là, voilà, mais est-ce que je sais dessiner un kangourou? Je n'ai pas de skills, hein, je précise. Il faut pas non plus. Voilà. Donc, on va essayer de le faire en petit pour en faire plusieurs sur la même page. On va essayer de faire une patte. Voilà. Ça a des pattes, les kangourous, dans ce genre-là. Un gros ventre. La poche. Voilà. Ah, ça va être que du sketch, hein, parce que moi, je suis pas à l'aise avec la couleur. Donc, voilà. Est-ce que je suis à l'aise avec quelque chose en fin de compte? Je ne crois pas. On va être comme ça. Il n'y aura même pas la place pour la tête. Ça a des oreilles, hein, les kangourous. Voilà. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et puis une grande queue comme ça. Voilà. En fait, je suis clairement en train de faire un kangourou là. C'est un kangourou. Voilà. Et mais Kangourex, il a quoi de plus? Écoutez, on va lui faire des petits pecs. C'est censé être des pecs. Hein. Voilà. Là, il y a son ventre avec la poche. Ça n'a aucun sens. Des yeux un peu vénères, non? Il a des yeux un peu vénères, Kangourex. Et je crois qu'il y a des espèces de cornes sur le truc. On va lui faire, voilà, un nez. C'est un lapin kangourou. Oh, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas comment. Enfin, est-ce qu'il y a des petites griffes? Il y a sûrement des petites griffes, c'est un Pokémon, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Il n'aura pas de main. Il a pas un autre Kangourex, il y a un autre dans. Oh, putain, je vais me casser toutes mes mines. Comment dire? Il a un bébé, quoi. Putain, fais des phrases en fait. Voilà, il a un bébé, on lui fait un bébé, on met deux petites patounes comme ça. Je veux dire, à quel moment ceci n'est pas le bon Pokémon? Je suis navrée. Navrée, mais ceci, voilà, Kangourex. Je pense pas, hein. Je pense pas, c'est dans ma tête, j'ai trop pensé à un kangourou. Je vais regarder du coup. Ah ouais, pas du tout! Mais ah, j'étais pas si loin sur certaines choses. Oh, mais pas du tout, il ressemble même pas, il ressemble pas du tout, du tout, du tout à un kangourou au niveau du visage. Il a des oreilles comme ça. Oh là là. Oh, ah non, j'étais pas du tout partie sur un espèce de dino, moi. Oh, c'est une catastrophe. Mais j'étais pas loin sur les yeux vénères. Prochain Pokémon, Pikachu. On l'a déjà tous vu, Pikachu. Oh là là là. On va commencer par une espèce de boule comme ça là et une autre boule au-dessus. Voilà. Il y a évidemment sa queue. Tac. J'ai pas dit que ça allait être beau. J'ai dit que j'avais envie de m'amuser. Ah non, je n'ai pas dit, ça m'amuse pas de ne pas y arriver. Pikachu. Des oreilles comme ça. Et le bout noir. Ça, normalement, on est bon. Pikachu, sa queue a changé de forme entre-temps. Elle est en forme de cœur au bout maintenant. Voilà, ceci est un Pikachu. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me semble que c'est ça, il n'a pas du tout le bout de la queue noir. Tout est jaune en fait.
Maintenant, j'ai pas de pattes. J'ai rien. Moi, je comptais faire une patoune là, une patoune là, les joues rouges, ok. Le petit nez, une petite bouche en cœur mignonne. Et voilà, je suis désolée, mais à quel moment on ne voit pas que c'est Pikachu? Pikachu, attaque éclair, voilà, tac, tac, tac. Excusez-moi. Voilà, rapide, efficace. Je suis navrée. Mais ça, là, c'est le bon Pokémon. Je suis plutôt fière de moi. Non, je n'ai pas dit que j'allais m'appliquer non plus. Bon, voyons voir. Bah, tout y est. Hein. Et j'avais raison sur la... Alors, sur la queue, dans celui-ci, ils mettent la queue normale d'avant. Mais je sais que la queue a changé dans certaines, dans certains trucs, notamment dans Let's Go Pikachu. C'est bon, à la rigueur, lui faire des plus gros yeux. Bon, là, il louche. Ok. Mais on est bon, je savais pas, les petites mains, les petites pattes. Voilà, des petites pattes comme ça. Et il a des espèces de petites mains, voilà, comme ça. Je suis désolée, mais moi c'était bon. Pour moi c'était bon. Ensuite, on va pas s'en faire qu'un 105, 5, 6. Juste comme ça, j'aimerais bien faire d'autres choses dans ce genre-là. Genre que vous me donniez même des portraits, même des choses sur lesquelles je travaillerais plus. Hein, genre votre youtubeur préféré. Alors, évidemment, j'adore faire des autoportraits. Mais vous pouvez vous abonner même si je suis pas votre youtubeuse préférée. Bref, prochain Pokémon. J'adorerais faire ça en live aussi. Il faut que vous me suivez sur Twitch. Pour le moment, je fais que du Sims. Mais si j'avais un plus grand public, honnêtement, je ferais d'autres choses, du fan service. Très clairement, vous voulez que je joue à quelque chose, qu'on fasse quelque chose, je le fais. Voilà. Autre Pokémon. Nosferalto. Fait partie, en tout cas Nosferatu, de mes Pokémon préférés, alors que je suis complètement phobique des chauves-souris. Voilà. Mais Nosferatu, j'aime pas, mais je crois voir. Ah, mais il y a un truc au-dessus maintenant. Il y a une évolution maintenant de Nosferatu. Oh, bon, écoutez, on est sur un gros truc comme ça. Des ailes de chauves-souris. On dirait que je suis en train de dessiner du ou. Ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà, une grande bouche, bon là on dirait qu'il sourit, mais voilà, alors les yeux, il a l'air trop heureux, il est pas censé, est-ce qu'il a des pieds, j'en sais rien, je lui ai fait des petites bottes, moi ça me va, il me semble qu'il a une langue qui sort, mais peut-être que je confonds, non, non, pour moi on est bon, non mais on va quand même lui faire, ouais, bon là on part sur complètement autre chose, mais... Voilà, des yeux pas contents. A-t-il des petites oreilles? Pourquoi pas? Désolée là, mais chez Game Freak, tout ça là, embauchez-moi. Pokémon de qualité. Est-ce que c'est ça? On n'est pas sur le détail. Si un jour vous voulez que je fasse un truc dans le détail, avec un modèle parfait, mais on fera un seul. Oh bah je suis pas loin du tout, il a juste pas de langue qui sort. Tac, tac. Bon, c'est vrai qu'il y avait des détails à faire. Quand même. Le prochain, j'essaye, si je me rappelle comment il est, j'essaye de faire mieux. Par contre, les pieds, c'était de la daube, hein, c'est des pieds comme ça. Bon, il n'y a pas de langue, on va quand même, on va lui gommer sa langue. Je lui gomme. Hop, il n'a pas de langue, mais c'est bizarre. Donc, ah, c'est peut-être celui d'après, du coup. Même les yeux, j'étais pas au bon truc. Mais il y a bien des oreilles. Il y a bien des oreilles. On n'est pas si mal. En fait, je me suis vachement mieux appliquée sur Kangourex, qui n'était pas un kangourou. Mais bon, j'étais pas mal. On est pas mal. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre de couleur. On peut faire un deuxième épisode où j'essaye d'être un peu plus... voilà. Hein. Là, j'avais juste envie de tester ça. Ça va me faire chier au montage. Mais vous, peut-être que ça va vous plaire. Voilà. Peut-être que je vais laisser le montage. Et puis voilà. Et vous mettre les trucs à côté. Ça peut être très marrant aussi. Oh, c'est ma chaîne ou c'est la vôtre? C'est incroyable ça. Bon, il me reste de la place ici. Prochain Pokémon. Je peux faire ça toute la journée, à vrai dire. Léviator. Eh ben, je vais le faire en grand comme ça. Là, je pense que ça devrait être bon. Léviator est un Léviathan. Jusque là, ok, c'est un serpent qui a une grande mâchoire et qui est contre toute attente l'évolution. De, alors je sais pas du tout s'il y a une langue ou quoi, voilà, il est très bizarre, qui est donc l'évolution de Magikarp, pour ceux qui ne savent pas,
Et c'est incroyable, de mon point de vue. Il a des... Je sais plus s'il a, il en a plusieurs, mais on va faire ça comme ça. Des espèces de nageoires. Sa tête, c'est un peu... je sais pas faire sa tête. Ça, je... Voilà. Il a sûrement des yeux pas sympas. Alors, je suis au bord de la feuille, hein, donc tant pis. C'est un peu un masque, les masques japonais, sa tête. Un peu comme ça. Il a un bidou. Je suis pas sûre que ce soit le terme technique, mais il a un bidou, comme ça. Des nageoires là sur les côtés. J'avais dit que je m'appliquais. Comment ça, je vous vois dans les commentaires dire que je dessine comme une enfant de 5 ans. Je trouve que c'est très insultant pour les enfants de 5 ans. Voilà. Alors, on n'est pas sur le meilleur Léviator, mais je pense que c'est celui qui s'en rapproche le plus. Avec le Pikachu, évidemment. Voyons voir. Franchement, je suis basse. Alors, j'étais pas dans le vrai pour tout. Je pensais pas qu'il avait des boules comme ça. On va lui faire des boules. Attendez. Et c'était pas des trucs comme ça. C'était des je sais pas ce que c'est. Un peu du corail, mais pas autant, voilà. Et des petits machins comme ça. Vous voyez, c'était ça qui me faisait penser au masque. Mais peut-être pas japonais, si. J'étais pas si loin. Oui, bon, il lui manquait des choses. Il lui manquait des choses. Mais, ah, il a une queue, d'accord. Ça, par contre, vous voyez, ça, je ne l'avais pas vu. Je pensais vraiment que c'était genre un serpent. Mais pas du tout. Mais j'étais pas si loin. J'étais pas si loin. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas envie de le finir. Mais est-ce qu'on est mieux? Alors, on voit rien du tout. Voilà. Est-ce qu'on est mieux? Pas tant que ça. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Bon. J'en fais encore un random. Et après, je vous fais mon Pokémon préféré. Ok? On fait comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas me répondre, vous n'aurez pas le choix. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quel est vous, votre Pokémon préféré. Bon, toute génération confondue, comme ça, ça m'en ferait peut-être découvrir d'autres, même si grâce à Pokémon Go, j'en ai découvert plein d'autres, évidemment. Mais il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas joué. Je suis passée de la version jaune, la dernière fois que j'ai joué, voilà, sur Game Boy Color, à Let's Go Pikachu. Qui était exactement le même jeu, mais en mieux, quoi. Donc... Bon, entre-temps, j'ai joué à d'autres jeux, à Arceus, tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous aurez qu'à regarder. Non, merci. Bref. Je mets un autre Pokémon. Nosferalto. Pourquoi deux fois Nosferalto? Non, ça suffit. Nosferalto. Bah, s'il vous plaît, en fait, je continue. Nidoran. Mal. Mais pourquoi? C'est des têtes en triangle. Voilà. Mais le mâle, qu'a-t-il de différent de la femelle? Je ne sais plus. Non, honnêtement, je vais jamais... Je sais qu'ils ont un petit cuissou. Un petit cuissou et les petites pattes comme ça. Bon. Non, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Oh, c'est une catastrophe. Non, là, on est en train de faire quoi, là? Ben je sais rien. Non, ça va pas, ça va pas. Je recommence. Je le vois dans ma tête. Je sais pas. Je vois un petit cuissou, une petite patte, et c'est tout ce que je vois. C'est quand même. Non, mais là, on dirait ça part sur. C'est un steak, quoi. Enfin, c'est. Enfin, non. Non, bah je suis navrée, je vais pas réussir. Je regarde. Ah mais pas du tout, j'avais absolument pas... Tu crois que j'avais un Nidoran femelle en tête? Comment ça t'as des... Non mais attends, non. Comment ça tu ressembles à ça, Nidoran? Alors il y en a qui disent Nidoran. Pas de clivage sur ma chaîne, je m'en fous. Voilà, moi j'ai toujours dit Nidoran. Je me rappelais pas qu'il avait une... Attends, mais... Autant de picots, mais il a bien un petit cuissou. Un petit cuissou. Ah, je le refais du coup, hein, désolé, mais les petites pattes que je pensais, là, comme ça, un petit cuissou, une petite, voilà, petite patte avant, tac, avec les deux petits machins, ok. Et une mâchoire, mon pote. Mais c'était ça, un truc en triangle, mais je me rappelais pas qu'il avait une seule dent devant. Comment ça, t'as qu'une seule dent comme ça?
Peut-être c'est un espèce de rat à moitié. C'est la première fois que je m'en rends compte. Voilà, il a une petite corne sur le front, des yeux... Alors là, il est complètement difforme, le pauvre. Pourquoi es-tu difforme de la sorte? Puis en plus, il n'est pas commode du tout. Hein. C'est pas un mec sympa, quoi. Là, on dirait un ratata. Mais il a une très grande oreille comme ça, entourée de petits picots par-ci, par-là. Voilà. Bon, c'est pas fidèle, hein. On n'est pas sur... voilà. mais c'est pas mal. C'est mieux, déjà. Et là, il y a une autre patoune. Pareil, avec deux comme ça, et d'autres picots comme ça. Je suis désolée, mais avec le modèle, là, on dirait bien un Nidoran, quand même. Un Nidoran ratata. Je suis d'accord. C'est quand qu'ils font ça, un truc où ils peuvent se reproduire. J'ai vu que dans la nouvelle génération, là, il y a les petits, comme les chinchidous, ou je sais pas quoi, là, bref, qui se... qui enfin se reproduisent, en fait, tout simplement. Eh ben, écoutez, incroyable, incroyable cette affaire. Et là, je vais vous faire mon Pokémon préféré. Je vais pas vous montrer qui c'est. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, ce que c'est. Et puis, voilà, mais rien que dans ma tête, je l'ai pas, là. C'est mon Pokémon préféré depuis... Voilà. C'est une espèce de grand triangle. On part sur un Dorito. Avec des mains très pointues au bout. Voilà. Tac. Bon, il est censé avoir 5 doigts, je crois. Oh non, je pense que vous allez trouver tout de suite. Hein. On est quand même pas sur... C'est pas si compliqué, je dessine pas si mal non plus, dit-elle, pour se rassurer très clairement. Bon, c'est pas ça. Je sais plus ce qu'il a un truc. Je sais qu'il a une. Lui a une énorme langue. Là, on est sur. Attends, mais. Il a les mêmes yeux que son évolution. Enfin, sa sous-évolution. Il aime tirer la langue. Tac. Et je ne sais plus ce qu'il a comme langue au bout. Comme ça, je pense. Peut-être des dents. Mais j'ai pas le début. Il a quoi au-dessus de la tête? Il a des oreilles? Ça me dit rien. Bon, honnêtement, j'ai pas. C'est pas compliqué. Je me dis que si vous le trouvez pas. Oh la honte. La honte, la honte. Et puis, bon, c'est un petit indice, c'est un Pokémon spectre ténèbres. Sans grosse surprise de ma part. Tada! Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la dernière vidéo de l'année. J'avais envie de faire un truc qui me détende. Ça ne m'a pas détendu de mettre le setup en place. Donc déjà, j'espère que vous allez regarder. En plus, pour une fois, je me filme en mode selfie. Du coup, je vois ma tête. Et c'est pour ça que là, vous me voyez regarder sur le côté. Alors qu'en fait, il faudrait que je regarde là. C'est très perturbant. D'habitude, je ne mets pas de retour comme ça. C'est mieux. J'espère en tout cas ça vous aura plu quand même. N'hésitez vraiment pas à me proposer des choses à faire. J'ai pas... Alors, j'ai pas d'argent, donc tout ce qui nécessite de dépenser des sous, ce n'est pas possible. Mais des petits défis qui se font sur les internets et que je n'ai pas en tête, parce que je ne follow peut-être pas les bons youtubeurs ou les bonnes youtubeuses. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Bref, mettez des choses en commentaire. Racontez-moi votre vie en commentaire, de toute façon, je réponds à tout le monde. Et voilà, sur ce, à l'année prochaine.